Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une présentation d'un nouveau jeu de cartes, le Bicycle King Wild Americana. Allez, donc c'est parti. Donc celui-ci, je l'ai ouvert, mais il ne possédait pas de seal, d'étiquette autocollante. Donc d'origine, il est comme ça, j'ai juste enlevé le plastique. Donc là, lui, facile, je ne l'ai pas abîmé du tout. Allez, donc on commence avec la phase de l'étui. Donc c'est un étui qui est un petit peu gaufré, martelé. Là, on ressent un petit peu quelques surépaisseurs. Voilà, au niveau de la face. Au niveau du dos, eh ben, on est sur le design de la carte qui est à l'intérieur. Voilà. Hop, sur le côté, rien de spécial. Hein, juste dit que c'est designé par Jackson Robinson. Parce que c'est la même chose ici. Non, c'est de là, pardon. Je croyais que c'était les deux mêmes côtés. Au niveau du fond de l'étui, rien de particulier. Toujours des dates et des choses comme ça. Voilà. Et le devant du rabat. Et voilà. Il y a devant aussi. De quoi? Ici. Oui. Numéro 13. Voilà. Donc numéro 13, c'est pas parce que c'est le numéro 13, hein, ils sont tous marqués numéro 13. Hein. Voilà. Allez, donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur donc sur les petites languettes, il y a des trucs de aussi. Ce jeu. Bah, numéro 13. Numéro ici. Et le nombre de l'autre côté. Voilà. Alors, on retrouve bah, les cartes, une carte publicitaire. On retrouve une carte double dos. Ça doit porter les cartes publicitaires. Ouais, quand je dis carte publicitaire, c'est. Voilà, c'est. Il doit avoir un texte. C'est une carte qu'on se sert. C'est une carte qu'on se sert jamais, quoi. Mais s'il y en a qui savent lire l'anglais. Voilà. Une carte double dos. Donc, ben, bleu d'un côté et rouge de l'autre. Donc j'avoue que bon, la différence n'est pas très très flagrante hein, quand je fais comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est le design du jeu. Et c'est tout, et le reste des cartes. Alors, au premier coup d'œil, quand on l'étale, ça donne ça. Donc ça reste au niveau du design de la carte, quand même une belle carte, il n'y a rien à dire. Elle est belle. J'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé d'asymétrie particulière, donc je considère que c'est pas un jeu qui est asymétrique. Et au niveau de la face, ça donne ça. Donc c'est un jeu qui, quand on regarde les faces, ça fait un jeu un peu style vieilli. Vous allez voir quand je vais vous montrer des anciens designs. Allez, c'est parti. Donc le drapeau de l'Amérique qui symbolise les jokers, donc en bleu et en rouge. Enfin rouge, c'est un genre de rouge marron hein, plutôt. Hein. D'ailleurs, c'est plus un marron qu'un rouge. Donc, ils sont identiques. C'est juste la couleur qui change. Et c'est parti pour les cartes. Donc, l'as de pique, on le verra après. Voilà. Et c'est parti pour les piques. Donc, on voit que le design est un petit peu plus arrondi. Ça fait vraiment comme des vieilles cartes, tout simplement. Allez, et c'est parti pour les cartes. Donc, comme on peut voir quand même au premier coup d'œil, ben, c'est des cartes qui se voient bien. Hein, donc, il y a... Comme je dis, moi j'aime pas trop les cartes qui sont dessinées pour la magie. Là, personnellement, la carte se voit bien. On comprend ce que c'est, il n'y a aucun souci. Donc ça marche très bien. Hop, l'as de carreau. Je pose à côté, on verra les as après. Allez, la série des carreaux. Donc là, rien de particulier. La série à trèfle. Alors si on voit, je sais pas si on voit la caméra, mais si on voit là sur les trèfles, ou sur même les carreaux et tout ça, qu'il y a des petits points blancs
dans les trèfles, c'est pas l'impression qui est mal faite, hein. C'est l'impression qui est comme ça, justement. Ça donne cet aspect comme à la télé quand on regarde un film en noir et blanc et que ça grésille et qu'il y a des points de neige un petit peu partout. Ben, c'est pareil pour les cartes, hein. Ça fait vraiment cet aspect vieille carte et l'encre s'est effacée. C'est pas un défaut, hein, pardon. Tant que ça fasse la focale, voilà. On voit que les lignes là, elles sont pas propres, qu'il y a du blanc qui traîne ici. Et c'est fait totalement exprès. Hein. D'ailleurs, on le voit même là sur les cartes à points, un petit peu moins. Donc là, c'est pour ça que je dis que ça fait ce petit côté vieilli là, puis avec la calligraphie qui est un petit peu qui fait vieille, ça fait vraiment un jeu typique vieux. Hop, allez, la série à cœur. Voilà, puis on va terminer par l'as. Et que je pose ici. Donc comme ben, par habitude, hein, on a compris que l'as de pique est celui qui est à chaque fois le plus dessiné, là où il y a l'histoire ou le nom. Toujours quelque chose de différent sur l'as de pique. Et les autres, ben, tout à fait ordinaires. Voilà. Donc ça reste un beau jeu, c'est un jeu que j'aime bien. Le dos est pas vilain. Si je le remonte comme ça, maintenant qu'il y a moins de cartes, j'étale un petit peu plus. C'est assez, il est sympathique. Donc là, ça reste un beau jeu. Donc ça, c'était la petite présentation du King Wild Americana.